bientôt la création de l'autorité nationale de coordination du foncier en abrégé ANCF rattaché à la présidence du FASO et qui aura donc pour mission principale d'accélérer le processus de digitalisation de la gestion du foncier. La ANCF permettra de favoriser l'appurement du passif foncier. En tout cas, c'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui même, élément à suivre dans ce journal. Et puis, le ministre des Infrastructures, Luc Adama Sorgho, a effectué une visite de chantier hier sur la route Sankoin-Sekoudougou pour constater l'évolution des travaux. Le ministre des Infrastructures s'est réjoui de l'avancement des travaux. Détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Conseil a examiné plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour. Le Conseil a adopté deux projets de décret. Le premier porte création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de coordination du foncier qui aura pour mission de coordonner et d'accélérer tous les processus en cours en termes de digitalisation de la gestion du foncier. Le deuxième décret porte conditions et modalités de dénonciation des faits de corruption et infractions assimilées des travaux pratiques dans les administrations publiques. Ce décret a pour objectif de lutter contre les mauvaises pratiques dans l'administration publique, mais également la corruption. Le gouvernement a prévu des récompenses pour les personnes qui vont signaler des cas de corruption. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est tenu donc ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans un communiqué rendu public ce soir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP appelle à la levée des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO. Le communiqué du CDP souligne que Eddy Kombo-Igo a séjourné ces derniers jours au Niger pour toucher donc du doigt les réalités du peuple du Niger. On a le résumé donc du Conseil des ministres avec Issa Oumarati. À quelques jours du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tiendra dans la capitale nigériane Abuja, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, appelle à la levée des sanctions contre le Niger. Dans un communiqué en date de ce 21 février 2024 et signé par son président Eddy Kombo-Igo, le parti de l'EPI et de la DABA estime que les sanctions de la CEDEAO infligées au pays des Amani Diori rendent intenables les conditions de vie des Nigériens et non sans rappeler les conséquences économiques et financières des dites sanctions sur les pays du littoral ouest africain qui voient leurs activités portuaires connaître une baisse drastique. Le communiqué mentionne que le séjour du président du CDP en terre nigérienne dans ce mois de février a permis de toucher du doigt les réalités des Nigériens qui souffrent le martyr. C'est pourquoi l'ancien parti au pouvoir tire la sonnette d'alarme et appelle les chefs d'État de la CEDEAO qui devront se réunir le samedi prochain à lever purement et simplement toutes les sanctions imposées au Niger dans l'objectif de soulager les populations meurtries subissant déjà les conséquences humaines, humanitaires et économiques déplorables de cette guerre lâche et perfide imposée par les groupes armés, ajoute le communiqué. Par conséquent, le CDP déplore que ses appels à la communauté internationale de soutenir les pays en proie au terrorisme n'aient pas été écoutés. Lever les sanctions contre le Niger sera perçu comme un signe de la grandeur d'esprit et de solidarité retrouvée pour le bien-être des populations, car cela permettra au peuple nigérien ainsi qu'aux ressortissants des autres pays qui y vivent de retrouver des conditions de vie plus décentes, précise le communiqué qui invite les États membres de la CEDEAO à intensifier le dialogue avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES pour sauvegarder les intérêts supérieurs des peuples de la sous-région. Après donc le communiqué du CDP, nous parlons des travaux de réhabilitation du marché Sankariare qui sont en cours d'exécution. Ces travaux débutés en octobre dernier sont déjà à plus de 50% de taux de réalisation selon les commerçants aux abords du dit marché. Ils se réjouissent de l'avancement des travaux. Ahmed Joël Compaoré a fait le constat hier à Sankariare. Ici, nous sommes au marché Sankariare de Ouagadougou.
Ce marché en cours de réhabilitation depuis octobre dernier connaît un avancement satisfaisant. Selon les commerçants réinstallés aux abords du marché, ils estiment que le marché sera prêt dans les délais donnés. Tout comme bon, grâce à Dieu, ça va. Voilà, on peut dire que 60%, voilà, ça va. Et Inch'Allah, on sait que d'ici quelques mois seulement, normalement, ça doit finir. Parce que ils sont toujours là-bas en train de travailler, donc matin, midi, soir. Donc, on pense que dans ces deux jours-là, Inch'Allah, ça va finir. Le travail, ça avance bien. Nous souhaitons que ça finisse vite. Quand ça finit vite, on veut que le pays, quand le pays soit en paix seulement, ça va aller. Ça traîne, mais comme quelque chose ne peut pas faire sans la volonté de. Un jour qui ça finit, nous on veut que ça finisse et puis on rentre en paix seulement. Oui, les travaux sont bons, par la grâce de Dieu. Vraiment, ça avance. Les 6 mois, on espère, parce que de toute façon, ça avance. Il nous reste quelques temps seulement. Et Inch'Allah, je pense que les 6 mois seront respectés. Ces commerçants promettent de veiller sur le marché quand il sera mis à leur disposition. Ça, je peux vous promettre que nous-mêmes serons la sécurité dans ça. Voilà, parce que on a vécu des moments difficiles. Donc, on ne veut pas que ça répète encore. Très bien, très bien, très bien. La sécurité, vraiment, on espère, parmi nous les commerçants, on fera de notre mieux, vraiment pour la sécurité, pour ne pas que ce qui nous est arrivé, oui, le 9 janvier, va nous arriver encore. En rappel, le marché Sangariaré de Ouagadougou est parti en fumée le 29 janvier 2023. Les travaux de réhabilitation ont débuté en octobre dernier pour un coût global de plus de 1 milliard de francs CFA. Dans l'actualité de ce 21 février 2024, nous parlons également du ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho, qui a effectué une visite de chantier sur l'état d'avancement des travaux de rebutimage de la route sans coincé Koudougou, une route longue de 42 km. L'état d'avancement est estimé à 45%. Adama Luc Sorgho et sa délégation étaient hier sur le terrain pour constater de Vissus, donc le niveau d'avancement des travaux. Revivant justement cette visite avec notre reporter Germaine Farama. Le pont du village de Sissene, situé à 17 km de Koudougou, sur la route départementale 42 dans la province de Boukiemdé, est enfin praticable. L'accès au village de Sissene était difficile, surtout en saison pluvieuse, car le pont était en état défectueux. Les usagers Dix mois après le démarrage du bitumage du tronçon sans coincé Koudougou, cette route de 42 km, le ministre des Infrastructures est allé constater le niveau d'avancement des travaux. Après avoir visité plusieurs sites et postes de travail, le ministre se dit satisfait de la qualité de l'ouvrage en cours. On constate effectivement que tout se déroule bien. On a aujourd'hui une mission de contrôle qui suit les travaux étape par étape. Et nous constatons que l'entreprise aussi a mis les moyens pour qu'on puisse reprendre ces travaux et avoir des travaux de qualité. C'est vraiment un pincement au cœur pour nous de voir que l'entreprise reprend ses travaux, mais il le fallait pour donner un exemple aux autres entreprises que désormais, c'est la règle qu'on va appliquer. Débuté en juin 2023, le taux d'avancement des travaux est évalué à 45% à ces jours. Des travaux qui avaient connu une suspension de 3 mois liée à plusieurs difficultés. Mais avec la reprise, les exigences techniques sont maintenant prises en compte selon le chargé de suivi, évaluation et de contrôle. Durant les travaux, on s'est vu obligé de reprendre certaines sections où la couche de fondation aussi n'a pas été bien traitée. Dans le cadre des travaux précédents. Donc sur le linéaire de 23 km qu'on vient de faire, il y a environ 15% de fondations qui ont été reprises. Mais dans l'ensemble, depuis que nous avons commencé la reprise des travaux avec l'entreprise Sorubat, ce qui est fait, en tout cas, est fait conformément aux règles de l'art et ça respecte aussi les exigences qui ont été prescrites. Les travaux sont à un taux d'avancement de 45% contre un délai consommé autour de 65%. Voilà, donc c'est ce gap de 20% là qu'il faut s'organiser pour rattraper
rapidement. La réception de l'infrastructure qui était prévue pour ce mois de février est repoussée au 18 mai prochain. À cet effet, l'entreprise s'est dotée de moyens pour honorer ce délai. C'est une société Surabat qui a pris un engagement. Bon, un engagement douloureux aussi, vous le connaissez. Mais au moins, on est en train d'assumer. Donc, on est en train d'avancer. Je vous laisse le choix donc, d'évaluer donc, les qualités de travaux. Vous êtes aussi, donc, aussi devant la vraie Surabat. C'est ça la vraie Surabat. Ce n'est pas donc, la Surabat qui a fait malheureusement donc, les travaux donc, en avant. Maintenant, donc, voilà, on espère qu'on a mis tous les moyens donc, pour qu'on puisse honorer nos engagements avant la saison de pluvieuse. Voilà, comme ça, donc, on va soulager donc, la situation pour les populations. Ce rebitumage de la route Sakouense-Koudougou fait suite à une dégradation constatée quelque temps après son ouverture à la circulation. Après un premier bitumage, le gouvernement avait ordonné en mars 2023 sa réfection. La quatrième édition du Symposium international sur le transport et la logistique Transloc Africa est une initiative du Conseil burkinabé des chargeurs en abrégé CBC. Ce symposium se tiendra du 27 au 29 février prochain à Ouagadougou. Le comité d'organisation a tenu une conférence de presse ce matin pour justement décliner les grandes lignes de l'organisation. C'est un reportage signé Samuel Moko. Après la troisième édition en 2012, le Symposium international sur le transport et la logistique, Transloc Africa, piloté par le Conseil burkinabé des chargeurs CBC, a connu des difficultés consécutives aux crises sanitaires, sécuritaires, politiques et autres qui ont secoué le monde. La quatrième édition se tient enfin cette année, du 27 au 29 février à Ouagadougou. Il faut noter que la première édition s'est tenue en 2007, la deuxième en 2010, et la troisième en 2012. Pour quelles raisons le CBC organise le transport africain? Le transport ainsi que la chaîne logistique constituent pour les acteurs du commerce international, notamment les chargeurs, un sujet d'intérêt majeur étant donné que la compétitivité globale en demande. Il est donc opportun que ces derniers s'imprègnent des enjeux du développement de la chaîne logistique prévue dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre échange continentale africaine, ZLECAF. C'est pour cette raison que le Conseil burkinabé des chargeurs, conformément à sa mission d'assistance, de défense et de protection des intérêts des chargeurs et de renforcement de leurs capacités, entend organiser des symposiums internationaux sur le transport et la logistique en Afrique. Il se tiendra du 27 au 29 février à Ouagadougou. L'édition 2024 se déroule sous le thème « Développement de la chaîne logistique globale, défis et opportunités pour les chargeurs à l'heure de la zone de libre-échange continentale africaine ». Le choix de ce thème est motivé par le fait que c'est un sujet d'actualité d'une grande importance compte tenu que la mise en place de cette zone offre de nouvelles opportunités mais également des défis pour les chargeurs. Le choix de ce thème reflète donc toute la pertinence de comprendre les implications de la ZLECAF sur la chaîne logistique internationale, en particulier pour les chargeurs et les professionnels du secteur en Afrique. Quant aux objectifs du symposium, il s'agit principalement de créer un espace de réflexion et d'échange sur les défis et les opportunités liées au développement de la chaîne logistique globale envisagée dans le cadre de la ZLECAF. La quatrième édition du Symposium international sur le transport et la logistique se tient sous le très haut patronage du chef de l'État, sous la présidence du ministre en charge des transports et le coparrainage des présidents des patronats du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, manque de toilettes publiques. Pris au dépourvu, les Ouagalais font leurs besoins à l'air libre. Et cela donc semble être la normale. On fait le constat avec notre reporter Wenmimtiri Micheline Zongo. Faire ses besoins à la belle étoile est devenue monnaie courante dans la ville de Ouagadougou. La raison, trouver une toilette publique à Ouagadougou est quasi impossible. Même les lieux publics dotés de toilettes publiques sont pour la plupart du temps inaccessibles et parfois non assainis et non hygiéniques. Les gens ont vraiment du mal à se soulager. Souvent, c'est dans les fossés. C'est pas bon. Les toilettes publiques, en tout cas, c'est vraiment très important parce qu'on a eu souvent l'occasion de voyager dans certains pays
Et on constate là-bas vraiment que quand tu as un besoin, peut-être à l'angle comme ça de... voilà, à l'angle du goudron, peut-être ils ont fait des toilettes publiques là où vraiment tu peux aller te soulager. Et je pense qu'à chaque 100 mètres, 200 mètres en tout cas, il y a des toilettes publiques. Donc mais ici, on rencontre vraiment des problèmes parce qu'on est obligé de peut-être partir chercher un endroit vraiment un peu isolé, bon, mais qui est vraiment dans la ville. Et souvent, c'est un peu compliqué. Voilà, parce que l'odeur, même déjà, même peut-être ça dérange. Ça amène encore peut-être des maladies. Cet espace de la Secna dans le quartier Pas doit faire office de toilette publique pour les commerçants environnants, les riverains et les passants. Vraiment, il n'y a pas de toilette par là. Moi, j'ai la chance que ma maison n'est pas éloignée. Quand je veux me soulager, je laisse mon commerce et je rentre chez moi. Mais les autres commerçants qui n'ont pas leur domicile à côté souffrent vraiment. Surtout les femmes, c'est vraiment le calvaire. La même période qu'on aime pour ces soulages. Donc, il faut te débrouiller seulement. Soit tu es musulman ou bien tu cherches un coin. Si tu es musulman, tu peux aller à la mosquée, demander et puis faire ton machin. Sinon, il n'y a pas un coin pour ces soulages. Les Ouagalais se tournent vers les autorités compétentes pour lancer leur cri de cœur. Ils souhaitent l'implantation de toilettes publiques dans la ville de Ouagadougou. Je souhaite que si vraiment on peut nous préserver à donner bon, les toilettes pour nous. Nous comprenons que le pays connaît beaucoup de problèmes, mais nous demandons aux autorités de nous trouver des latrines. Cela va beaucoup nous soulager. Mon souhait vraiment c'est que vraiment Dieu puisse vraiment aider la mairie, voilà, pour que vraiment il puisse vraiment voir de ce côté-là qu'est-ce que vraiment il peut faire pour vraiment améliorer ça. Voilà, pour que vraiment on ait vraiment des conditions par rapport à ce problème-là, des conditions d'hygiène. Des innovateurs ont proposé des toilettes publiques mobiles et modernes pour soulager les populations. L'État burkinabé n'investit pas beaucoup dans les latrines publiques. Il est plus porté à réaliser des latrines familiales. Plus de 142 000 latrines familiales et plus de 3 700 toilettes publiques de janvier 2015 à juin 2017. La société Absonic a 20 ans d'existence en Afrique de l'Ouest pour marquer justement ces 20 ans. La société a décidé de rendre hommage à ses partenaires, une occasion donc pour elle d'exprimer sa reconnaissance. La cérémonie d'hommage a eu lieu en présence de Sidiki Kabri. À travers une remise de 100 postes téléviseurs, 50 postes radio et 7 engins, dont 2 tricycles et 5 motos, la société Absonic marque une halte pour traduire sa reconnaissance à ses meilleurs partenaires, notamment les meilleurs revendeurs, transiteurs et employés. Cette récompense a eu lieu à l'occasion de ses 20 ans d'existence. On a voulu vraiment satisfaire nos partenaires et même nos employés par des téléviseurs, des radios, plus des attestations de meilleurs revendeurs et des attestations de meilleurs employés 2023. Et la récompense, c'est y compris les vendeurs de motos et les pièces de station. Une récompense bien accueillie naturellement par les partenaires transitaires et revendeurs. Moi, personnellement, j'ai reçu une attestation et une télé. Alors, pour notre effort que nous avons voulu faire au niveau de la douane à l'endroit donc de Absonic. Donc, je leur dis merci. Bon, nous sommes très très contents d'avoir un partenaire comme Absonic. Bon, en fait, on est très très heureux de contribuer avec l'entreprise Absonic. On a eu le prix de 100 000 avec un immigrant travailleur. On est très très contents. À l'occasion de cette cérémonie, la société Absonic a remis également 5 motos et une enveloppe financière au profit des forces combattantes. Les membres de l'association Amina ont tenu une conférence de presse pour livrer les contours de leur événement dénommé les Journées de la Jeune Fille. Ces journées ont pour objectif d'encourager les jeunes filles dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. Retour sur la conférence de presse qui s'est tenue hier avec Madina Tougou-Traougou.
L'association Amira est une jeune association qui œuvre pour le bien-être de la jeunesse, en particulier des jeunes filles. Les membres de l'association prévoient en marge de la Journée internationale de la femme, édition 2024, les journées de la jeune fille. Le projet de JJF, c'est du 7 au 9 mars. Le 7 mars, c'est une journée de sensibilisation et de dépistage dans les lycées et les universités. Le 8 mars, c'est une journée de formation. On aura principalement 5 domaines, dont la coiffure, le maquillage, la fabrication de savon liquide, la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables et le marketing digital. Et aussi, le 9 mars, qui est un concert à but non lucratif avec des tickets payants 2000 et 5000 francs. Mais l'idée derrière, c'est de récolter des fonds pour pouvoir subventionner le traitement des jeunes filles ayant un cancer de sein, ayant une situation financière précaire. La jeunesse fait face à des problèmes de santé sexuelle et reproductive, dont le cancer du sein et du col de l'utérus. La présidente de l'association lance un appel à la jeunesse de soutenir l'activité. J'invite tous à participer massivement parce que c'est une cause qui se voit noble. Ça ne concerne pas qu'une seule personne. Ce qui arrive à ton voisin aujourd'hui peut arriver demain. Et qui dit cancer de sein, dit femme et homme. Qui dit cancer du col de l'utérus, dit la femme. Mais tout ce qui touche la femme touche indirectement l'homme. Ce sont nos mamans, nos sœurs, nos femmes. Alors donnez tous vos voix pour lutter contre le cancer de sein et le cancer du col de l'utérus. Et ensemble, faisons de ces journées des journées inoubliables. Cette première édition des Journées de la jeune fille est prévue du 7 au 9 mars 2024 à Canal Olympia. La musique est également au menu de cette édition de ce soir hein, et nous parlons justement de l'artiste musicien Dieulé Karim, le Condé d'Or de l'année 2024. En tout cas, c'est une ambition que l'artiste musicien affiche avec son nouvel opus baptisé Doni, qui veut dire petit à petit en djoula. Dieulé Karim aborde des thématiques comme l'amour, la paix, la méchanceté des hommes, l'immigration clandestine et l'engagement au travail. Le nouvel album a été donc présenté le week-end écoulé en présence de Nongasida Thomas Sondo de Savan Media West. Doni Doni, en langue locale Diola, qui veut dire petit à petit, est le nouvel opus de l'artiste musicien Dieulé Karim, natif du Houé. Fort de 13 titres, avec 4 featuring, ce nouvel album traite des faits sociaux d'actualité, tels que l'immigration clandestine, l'engagement au travail, la méchanceté des hommes et bien d'autres. L'album aborde plusieurs thématiques, ça parle de l'amour, ça parle de la paix, de la cohésion, ça parle aussi de la méchanceté du monde d'aujourd'hui, ça parle de l'immigration clandestine et ses méfaits, ça aborde plusieurs thématiques, voilà, qui résument le contexte actuel du monde. C'est un album aussi à plusieurs colorations, parce que nous avons voulu une ouverture de l'artiste, qui est un artiste mandingue à la base, mais nous avons ajouté un peu de la world music et différentes tendances musicales actuelles du monde, et en plus de nos rythmes traditionnels que nous avons essayé aussi d'exploiter à fond. Pour une meilleure visibilité et pour booster les ventes, l'artiste a diversifié les supports de diffusion. L'album est dupliqué sur 3 supports, je dirais. Il y a d'abord la distribution digitale. Voilà. Et lorsque vous allez sur les différents sites de téléchargement, le prix est mentionné là-bas en fonction du distributeur. Parce que c'est le distributeur digital qui donne le prix en fonction aussi des sites de téléchargement. Voilà, nous on a un contrat et chacun a sa part lorsque les titres sont vendus. Maintenant il y a la distribution physique qui est faite sur les CD et également beaucoup plus sur les clés USB parce que de plus en plus les CD ont tendance à disparaître. Donc là nous sommes beaucoup plus en clés USB. Et les clés USB coûtent 5000 francs et les CD coûtent 3000 francs. Meilleur artiste de la région en 2023, l'artiste musicien Dieulé Karim, avec cette nouvel album, entend rapporter le Koundé d'or du meilleur artiste musicien en 2024. Et dans les jours à venir, il entamera une tournée de 6 mois en Europe. Après la musique, place à l'actualité sportive et nous parlons justement de l'ex-international brésilien de football Roberto Carlos qui était en visite au Burkina Faso. Il a passé 72 heures lors de son séjour. Roberto Carlos a rendu une visite à l'académie de football Salimata et Tassiri Salitas le vendredi dernier. Retour justement sur cette visite avec notre reporter Samuel Moko.
Roberto Carlos, la légende brésilienne, a été reçue par les pensionnaires et supporters de l'Académie de formation en football et équipe de la première division Salitas. Pour les jeunes et supporters de Salitas, cette visite de Roberto Carlos est une source de motivation. La venue de Roberto Carlos à Salitas, ça me donne vraiment l'émotion de reproduire ce qu'il a fait auparavant. Je ne peux même pas expliquer l'émotion. L'émotion là, c'est trop fort. Voir et toucher Roberto Carlos ici à Salitas, ça me donne vraiment de l'inspiration de faire ce qu'il a fait auparavant et de jouer pour atteindre le sommet. Moi, on ne peut pas imaginer notre joie. Voilà, si on parle, on va dire des choses. Et bon. Nous, en tout cas, quand on a appris que Roberto Carlos doit venir au Salitas, l'ensemble des supporters, en tout cas, on était vraiment heureux. Le président fondateur de Salimata et Tasseri, Salitas, a exprimé sa reconnaissance au ministre en charge des sports. Il a dit aussi avoir compris le message de son ministre de tutelle. Je voudrais d'abord, au nom de toutes les académies de Burkina, remercier le ministre des Sports et des Loisirs d'avoir donné son carnet d'adresse. Voilà. Et je voudrais dire que, à l'endroit du ministre, que nous avons compris aussi cet appel et nous ferons en sorte que, comme je l'ai dit, vous faites des jours de Burkina. Et que le Burkina Faso gagne rapidement sa première étoile. Maintenant, à l'endroit de M. Roberto Carlos, comme vous l'avez vu, c'est une gloire du football mondial. Et je pense qu'avec les jeunes qui l'ont approché, ils auront compris qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, il y a du travail qui reste à faire pour aller de l'avant. À Salitas, Roberto Carlos a reçu deux maillots floqués de ses dossards 3 du Real de Madrid et dossard 6 du Brésil. Il a également participé à des activités comme le match de gala et a suivi au stade Issoufou Joseph Konombo un match de la première division. Dans le livre de la vie, chaque page tourne avec la promesse d'une aventure sans fin. Devenir la meilleure version de soi-même est le chapitre le plus captivant. C'est justement avec cette citation de Rudy Merucci que prend fait cette édition du soir, que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Tout à l'heure, Salamata Tapsoba vous retrouve pour le journal en langue nationale.